tout le monde, c'est Enzo Minecraft, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve dans Roblox, encore une fois, dans notre pizzeria. Donc, je sais plus c'est l'épisode combien, mais bon, on va quand même améliorer notre pizzeria. Même en confinement, on travaille dans notre pizzeria. Bon, bien sûr, c'est dans Roblox, hein, c'est pas dans la vraie vie. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Donc, là, on va faire une visite vite fait un peu de notre. Donc, ici, il n'y a rien. De notre pizzeria, donc il n'y a pas grand chose. Après, ici, bon, rien n'a changé. Donc voilà, on va. Hop, on a toujours ici notre endroit où on peut manger et tout. Après, ici, on a les serveurs, on a le chef. Et là, on a notre pizzeria. Donc on va voir ce qu'on peut améliorer. Donc là je vois qu'on a 14 000 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Et aussi on a notre petit robot qui sert à je sais pas quoi. Bon après on va peut-être pas lui payer ça tout de suite. Donc on va voir à l'étage du haut si on peut améliorer quelque chose. Parce que je vous rappelle que c'est nos pizzas sucrées qui sont tout en haut. Qu'on va aller les voir. Bon tiens, on peut mettre ça. On peut mettre un peu de truc. Ça. Des fenêtres. Un office. Donc voilà, on a 3,2 étoiles. Donc on commence à être bien. Donc là j'ai c'est bon, je vais bientôt pouvoir m'acheter l'office. Donc là je peux l'acheter. Donc voilà, c'est un petit bureau quoi. Voilà, bon il y a quelqu'un qui vient visiter, il a le droit après hein. On va voir si on peut aller s'acheter des pizzas parce qu'on a v'là les gemmes. Donc on va aller dans le magasin et on se trouve juste. Et maintenant on peut s'acheter aussi les pizzas. Bah les pizzas sucrées. Donc on va peut-être acheter les boulettes de glace. Donc ah. Donc là c'est un peu des trucs payants je pense. Oui c'est ça. Donc après on va regarder un peu. On va prendre un peu de tout. On va faire plusieurs pizzas. On va prendre un peu de tous les goûts. Donc voilà. Il nous reste 101 gemmes. Donc voilà. Maintenant, on va retourner à notre pizzeria. Donc nous voilà arrivés dans notre pizzeria. Donc on va prendre un peu n'importe quoi. Donc on prend ça, on va l'appeler la spéciale sucrée, je sais pas. La spéciale sucrée 2.0, on va l'appeler. Et puis voilà, donc on a fini de faire tout ce qu'on avait à faire pour les pizzas. Donc là, voilà. Bon, on a 9 000, donc on va pouvoir s'acheter une table des chaises. Après, on verra après. Pendant ce temps-là, nous, on va faire, pendant qu'on a de l'argent, on va faire un peu, on va faire un test si on sait conduire maintenant, parce que la dernière fois on avait fait un petit test que je vous mets un extrait là. Fonctionner. Donc là nous devons livrer notre pizza à la maison 4. Je ne sais pas très bien manier ça. J'espère que c'est de l'autre côté. Et ben je me suis écroulée.
Bon, je crois que j'ai un problème. Bon, j'arrive même pas à sortir de ma pizzeria, donc on va abandonner cela, sinon je vais galérer. Donc là, on est toujours à 3,2 étoiles. Donc maintenant, on a beaucoup de dollars, donc on va pouvoir acheter un truc qui s'appelle, je sais pas trop en fait. Dans le bureau, je crois qu'on pouvait débloquer des trucs. Bon, je l'ai déjà débloqué. Un ordinateur, après, je pourrais débloquer. Je vais bientôt pouvoir le débloquer. Donc, il nous reste 200 dollars et on a notre ordinateur. Donc, là, normalement, on a notre ordinateur. Donc, on va regarder. Donc, je crois que normalement, ça, c'est nos employés. On va pouvoir garder les peintures, donc au moins on va pouvoir changer ces peintures. Donc là on peut mettre du jaune, non ça n'est pas joli. On va mettre du gris je pense. Comme ça fait couleur garage. Après ici. Ça, je trouve stylé, c'est le comptoir, la salle de bain. Donc, on peut la faire un peu bleue, peut-être. Ouais, non. Bon, la salle de bain aussi sera pareil. Le haut, donc, c'est pour faire quoi? Pour le comptoir, donc, on va le faire en rouge aussi. Non, peut-être couleur sucre, ouais. Alors l'office, d'accord, c'est la couleur de ça. On va le faire cette couleur-là. Ça se trouve que ça fait stylé. Et voilà. Après, on peut donner un nom à notre pizzeria. Donc si vous avez des idées de nom qu'on pourrait donner à notre pizzeria, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc ça pourrait être utile. Donc voilà. Donc on a à peu près fait tout ce qu'on avait besoin. Là, j'ai débloqué les tables. Après, on va débloquer d'autres trucs. Donc, il y a une fontaine à chocolat. D'autres tables à dessert encore. Donc là-bas, il y a une personne qui s'assied. Donc, voilà, ça avance bien, je trouve. Et je crois qu'on peut avoir un autre cuisinier ou un truc comme ça. Ouais, à 20 000, on peut avoir notre cuisinier qui va plus vite. Donc voilà, un deuxième. Donc à 20 000, bon, je pense qu'on va débloquer ça aussi. Donc là, on a fait beaucoup de pizza. Qu'on avait tout ça. On a fait 9 pizzas donc en tout. Donc on a fait plutôt des pizzas sucrées. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir s'acheter le chef cuisinier amélioré. Donc voilà, on l'a acheté. Donc je pense qu'il va plus rapidement attraper les pizzas parce que je trouve qu'il est lent. Donc au-dessus de nous, on a nos pizzas. Donc on a la cheese pizza, la pizza gâteau, on a la pizza mystère, la pizza chocolat, la pizza chocolatée, la spéciale sucrée mystère. Après on a la mystère, on a la spéciale sucrée 2.0. Il a mis des hashtags à la place. Et on a la chocolatée aussi. Donc, on va remonter en haut. Donc, on va voir si on a d'autres trucs à améliorer. Je crois que c'est à partir de 12 000 dollars qu'on peut s'acheter la fontaine à chocolat. On peut s'acheter un truc bientôt, donc qui coûte 8 000 dollars, lui. Donc, maintenant, on peut se l'acheter.
Donc c'est un toit, donc au moins ça fait plus classe. Voilà. Là, on va pouvoir s'acheter la fontaine à chocolat. Voilà. Après, il y aura d'autres trucs, les donuts qu'on va bientôt pouvoir acheter. Donc maintenant, on peut s'acheter les donuts fly. Donc on va se les acheter. Donc je sais pas ce que ça fait de différence. Ah, c'est les lumières qui sont au plafond. On voit pas trop la différence, mais bon. Donc maintenant, on va s'acheter un truc pour le robot qu'on avait débloqué. Donc on va voir. En fait, c'est un peu comme un ordinateur où dessus, tu as plusieurs thèmes pour ta pizzeria. Donc il y a la scientifique. Et il y a la pizzeria normale, donc tout à fait simple. Là, il a bugué mon jeu encore. Il est là. Pièce, pourquoi je suis là-dessus? Mon skin, il a bugué. Oh, voilà, c'est bon, le skin est revenu, donc on va pouvoir revoir du coup notre endroit. Donc on va pouvoir acheter d'autres trucs. Je sais pas où elle est là. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Oh, 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 oh